it seems we must venture to Trevo Mine. I believe it lies to the northwest of Vernworth. Pray, allow me to show you the way. Goblins, master. En fait, magique. Celui-là, il a l'air trop énervé, va. Bordel, c'était la cruauté là, comme on est mort quoi. La vie, elle peut jouer toute seule. Hein. Top là, groseille. I've a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. Je retiens les casites parce que je les kiffe hein, mais No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Et ça me guérit pas, cette aura de guérison. C'est quand même terrible. An ox cart ought to make our journey easier. They can be most convenient, though they travel only during the day. Alors Rose connaît la quête. Hein. Franchement, cette impression d'être à l'intérieur des pages de Berserk, ça me... J'avais cette impression-là il y a 10-11 ans quand Dragon's Dogma est sorti, mais alors c'est toujours le cas. Hein. Et c'est pour ça que... Et comme personne... Comme personne s'est aligné depuis, ben en fait, il y a rien qui... Personne n'a proposé... Un truc qui ringardise Dragon's Dogma, quoi. C'est vraiment devenu une expérience à part. On oublie que les Japonais ont un MMO... Alors que c'est ultra cohérent, un MMO Dragon's Dogma. On va oublier que les Japonais en ont un en exclu. Ça se fait pourri, hein, mais moi ça me fout la mort. On n'y a pas le droit, c'est comme le MMO Dragon Ball Z. Ça c'est juste un chasseur. Ah non, c'est un gobelin. Ouch. Et ça me soigne pas beaucoup cette histoire. Peut-être une potion de salubrité. Mais arrêtez là. Tuez ce porc. Ah oui, c'est vrai que j'ai le truc de... Maintenant, je peux charger des missiles magiques plus puissants. Plutôt que de faire piou 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 piou. Allez, on avance. Ah oui, non, selon les classes, c'est pas du tout le même jeu, ouais, bien sûr. Mais là, du coup, tu te sens vraiment caster parmi une bande de bœufs, quoi. Oh, putain, il s'est... Bon, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est quand même le sort d'éclair qui est le plus OP. Hein. Oh.
vont pouvoir caster dans le confort de ton jetpack. C'est magnifique. Franchement, les meilleurs combats Heroic Fantasy. On dirait le bordel, le joyeux bordel d'un Baldur's Gate, mais en mode foire d'empoigne bordélique, c'est magnifique. Mais pour l'instant, en fait, la plupart des qualités que je trouve à Dragon's Dogma 2 s'appliquent à Dragon's Dogma 1. C'est juste qu'il s'est tellement fait attendre et il n'y a tellement pas eu de proposition ringardisant la proposition du premier que il y a des tas de gens là, et en fait, ils découvrent ce que c'est Dragon's Dogma en tant que concept et de proposition. Et en plus, j'oserais dire que le Dragon's Dogma 1 démarrait de façon plus brillante. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. C'est un ami, elle va tellement au turbin. Si je fais conflagration, il faut que j'aille sur place là, sinon ça va pas tuer. Indeed, it was enough to make one pity our foe. C'est un hobgoblin. En fait, moi je rêverais de looter gratos là. Mais oui, il y a une vraie ambiance. À quoi ça ressemble de vraiment errer dans la pampa de Bergerac de du Seigneur des Anneaux, c'est clair. Et c'est des Japonais qui nous l'offrent, quoi. Alors, il y a un truc qu'il faut pas oublier, hein. C'est que les Japonais, au Japon, ils remâchent le système de classe classique des western RPG avec un succès plus populaire que chez nous en vrai, notamment grâce à la série des Wizardry. Et qu'en fait, si le public japonais devait citer des influences pour Dragon's Dogma, il dirait que ça ressemble plus à du Wizardry en temps réel qu'à du Baldur's Gate. Quoi. Parce que leur marché a évolué vers ça. De la même façon que pour eux, Donjons et Dragons, c'est plus Chronique de la guerre de Lodos que Baldur's Gate. Quoi. Les Wizardry, ouais. Wizardry qui est 100% un CRPG, hein, mais... C'est un genre de jeu qui a fait la pluie et le beau temps sur PC dans le monde entier, mais au Japon, ils s'en sont jamais remis. Ça n'est jamais passé... Ça n'est jamais tombé en désuétude, en fait. Il y a des Wizardry sur PS2, il y a une série, enfin genre. C'est D&D Lodos, ouais, bien sûr. Lodos, c'est totalement le premier. En fait, la même façon qu'il y a Critical Role et Aventure et machin, genre des mecs. Qui font des podcasts sur leur campagne D&D avec du coup leur propre lore et puis leur propre marqueur et leur propre PNJ qui deviennent plus connus que le lore officiel, on va dire.
Qu'est-ce que... Ouah, des sauriens. I grant you roaring flame. Je suis sûr qu'ils aiment pas le feu. Bye bye, salamandre. Ah, ça l'a tapé. Encore. Oh, c'est tellement... Putain, j'ai tellement hâte de faire du multiclasse. Si les multiclasses, c'est forcément les plus intéressants. J'ai vu un truc là où tu fais un peu le Jedi avec ton bâton. Demande. C'est un troisième peut-être. Putain, c'est tellement la classe. Ma classe dans le Dragon's Dogma 1 c'était archer magique parce que je trouvais ça vraiment tellement giga classe de loquer les ennemis et tirer plus ou moins des magiques missiles en rafale là. Enfin, c'était cinglé. Oh, well spotted. Most impressive. Such a thing escaped my master's notice entirely. On essaiera d'oublier l'idée que Elden Ring aurait pu choisir de ne pas être sur PS4 et Xbox et être aussi beau que ça. Et dramé. C'est terrible quand t'as enfin un open world art fantasy. Fire won't do much good here. Best try a different tactic. Je pense que la glace c'est bon pour lui hein. Il a coupé la queue, tiens! Tiens, salope! Tiens, je te rentre ça dans le cul, là, tiens, je vais m'en servir! Mon bâton! Tiens, ça, j'ai fait conflagration alors qu'en fait j'aurais dû faire glace encore. Et il est plaqué au sol! Là, il peut plus se faire découper par mémé. Mais par contre, c'est vrai que le jeu donne tellement envie de reroll parce que effectivement, les classes se jouent absolument pas pareil. Et là, on a tellement bifurqué de notre. Shall we see if we can't make our way over to it? Attends, t'as vu un autre coffre? Ah, I suppose there will be monsters lurking beyond it. Pray keep your wits about you. We needn't go barging in. Ouf, wouf wouf. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. I'd say we collect as much as we can carry. Oui, je sais, va. Tu es une grand-mère, donc évidemment que tu veux qu'on ramasse un maximum de groseilles pour faire de la confiture, mais je t'assure que ce n'est pas important, mamie. Tu sens beaucoup les 30 FPS ? Non, ça va en vrai. Franchement, je m'attendais à un framerate bien pire en ville, parce que les premiers tests parlaient de 20 FPS et tout, mais ça va. C'est juste que ce n'est pas fluide. We have found a material. Genre quand tu sors d'un vrai jeu 60, c'est très compliqué. Hein.
C'est un jeu qui gagnerait en plus à être super fluide et You have my protection. Enfin, ne serait-ce qu'en fait c'est que le jeu est clairement en mode résolution parce que la résolution du jeu là tu vois qu'elle est craquée. Franchement l'image elle est d'une propreté c'est affolant. Et je suis sûr que toutes les particules rendraient le jeu assez craveurk à la Final Fantasy hein. Assez craveurk en baissant la résolution pour monter le framerate. Et le problème That was well thought. There's no one standing. C'est qu'on aimerait avoir le choix quoi. No doubt. On est sur une nouvelle console. Enfin une nouvelle console qui a 3 ans mais quand même. On ne devrait pas se contenter d'un minimum syndical quoi. Si on commence à se contenter de. Je me demande à quoi ressemble le jeu sur Series S en fait. J'ai pas regardé le Digital Foundry. En fait c'est bizarre, 3 ans après la sortie de la console qui n'a quasiment aucune exclue. Mais enfin les consoles, hein, ça vaut aussi pour la Xbox. De se contenter d'un jeu en 30 FPS qui clairement pourrait peut-être gratter hein. Même si je sais voilà c'est CPU limited machin bidule et tout mais en fait si j'ai ce framerate là en 4K il y a moyen de gratter je refuse d'y croire hein. Perhaps the Arisen has recalled some more pressing business. Fret not, I'm sure we'll come back to this eventually. Sur Series S, pas de ray tracing, les ombres sont cracra, le framerate est globalement. Mais en fait, ça veut dire donc ça veut dire qu'il y a un scaling possible. Parce qu'en fait, si t'as le même framerate sur Series S que sur Series X en enlevant des options, ça veut dire que la Series X pourrait proposer un mode framerate quoi. Parce que si c'est pour y jouer 100 heures et moi dans mon coin sur une petite télé en stream notamment, en fait, on devrait pouvoir essayer. Tu vois, genre FF7, il a des problèmes, mais au moins il a pas le. Il t'impose pas de le mode résolution si ça te fait mal à la tête de jouer à 30 FPS. Quoi. Après, c'est un 30 FPS qui est plutôt bien fichu, mine de rien. Il y a des gens, apparemment, ils ont vraiment des soucis. PC. La musique, elle est cool. Attends, on fait quoi là depuis tout à l'heure? Tenez une épée à deux mains et un grand bâton. Dans l'antre des gobelins. Parce que je me souviens d'une grotte qui servait à traverser un bout de la map dans le 1. Et c'était au début vraiment la mission. Putain. Ah, j'ai bu une potion de salubrité comme ça là. Gratuit. Ok. Le framerate est en ville quand tu dois y courser un voleur, c'est injouable. Non, mais ça, c'est un vrai problème. Le fait qu'il n'y ait pas de mode trahit le fait qu'ils sont en retard quoi. Ou en panique. Mais je refuse de croire que c'était impossible quoi. Surtout sur ce moteur là qui. Alors là il crache ses tripes mais ça reste celui de R4 quoi. Should we encounter trouble, we would be at a disadvantage. Let us conclude our business and be quit of this place. There is not to be gained from lingering. Tiens, saloperie. Ah, il me brûle. T'as entendu, genre la Risen a été torchée quoi.
Ça va, Linka? Quickly now, our master beckons. Very well, if I must. J'adore la voix de Mamie Nova, quoi. Very well, if I must. Tu sais que c'est elle qui parle, hein, et tu peux pas la confondre. Après, je peux comprendre que c'est un côté décourageant, mais c'est ça aussi qui crée la... le côté classe, quoi. Alors, du coup, on cherche une grande épée et un grand bâton, parce que sinon, je peux pas acheter la classe archimage. Ouais, j'avais adoré le premier. En fait, j'en parlais souvent que le premier, il avait une proposition, une promesse qui avait pas d'équivalent encore. Et que là, beaucoup de gens prennent une claque sur Dragon's Dogma 2, alors qu'en fait, son expérience, ce qu'ils sont en train de... ce sur quoi ils sont en train de phaser, c'est vraiment c'est l'ADN de Dragon's Dogma, même le premier. Cette impression d'être en permanence dans la scène du Mordor du Seigneur des Anneaux, quoi. Mamie, groseille, ranime-nous! C'est-à-dire avec le côté foire d'empoigne des films de Peter Jackson, quoi. Et surtout, quand tu vas d'aller dans la Pampa, c'est pas une sinécure. C'est pas juste pour aller au prochain élément scénarisé ou prochain donjon. C'est le monde entier est hostile, et pas à la façon d'Elden Ring où le monde entier est pensé comme un donjon, mais non, genre il y a des trucs qui sont unfair, surprenants, pas justes, mais il y en a qui vont trouver que c'est trop, mais ceux qui trouvaient que c'est... il y a des gens qui trouvent que tous les autres jeux sont pas assez. Et le fait que ce soit servi par les meilleurs animateurs 3D du monde, à mon sens, ça gâche rien du tout. Et oui, hein, y avait une espèce de version Director's Cut pour le 1. C'est pareil, hein, le 1 souffrait un peu de sa résolution sur console. Puis ils ont rajouté un add-on, mais qui est... Genre, je trouve que le bout de map qu'ils rajoutaient vendait pas du rêve, parce que c'était un trou. Waouh, tu vois ça, tu découvres que maintenant, quand tu peux repasser... Parce que de toute façon, le but, hein, c'est qu'après, là, ce soit chez toi. Tu te rends compte, en fait, qu'il y avait des rochers qui pouvaient tuer, là, tout de suite. Oh là là, oh là là, putain. Oh, I don't know about you, Master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on? Je peux pas boire une potion de salubrité, là? Every little thing you find, and your pack will soon outweigh you. Well, I know it, yet I cannot seem to resist. I dare say that's part and parcel of the adventurer's trade. This battle couldn't have come at a worse time. I only hope our victory is a swift one. Ça va aller, mamie. Enfin, genre, c'est bon, c'est deux gobelins, là. Ah, elle est chialeuse. C'est marrant que tu tapes des checks à la Helldiver, mais tout seul, quoi. Mais gamin, je sais que j'aurais adoré, parce que j'avais pas forcément le net, j'avais pas forcément envie de payer le Xbox Live. Je me souviens que l'un des trucs, mon petit frère aussi, il adorait tous les jeux où t'avais des potes. Pendant un temps,
il regardait, mais il fouille un peu dans mes jeux 360 et il était genre, celui-là, il a l'air bien. Est-ce qu'on a des copains dans le jeu? Parce que lui, ça lui pétait la tête quand dans Halo, t'avais des Marines avec toi et tout. Il trouvait ça trop classe. Donc, des tas de jeux où t'as un espèce de petit groupe et en fait, ça fait un café d'enfer. Chaque fois qu'on va tuer un truc, ça va être le bordel. Est-ce que c'est ce que je cherche? Ah non, un anneau de fraîcheur. Réduit les dégâts de feu subis. Ah, ok, intéressant. Je vais pas ramasser un autre scarabée là à bouffer? Bon, par contre, il y a un peu un service minimum sur certains éléments du jeu. Hein. Look here. This path seems rather promising. How extraordinary. Could surely have escaped my eye. A fine showing. Ramenez-vous. Chier le monde là. You'll like to grow overburdened if you keep picking up every little trinket you find. Mais bien sûr que je veux récolter le cuivre, bordel. C'est toi qui vas le porter, c'est tout. Attention, vous allez vous surcharger. Ah bah t'inquiète. Regarde, hop, sans les mains. Mais par contre, ouais, les donjons, c'est pas... effectivement, ce n'est pas Skyrim. C'est pas, t'arrives dans un donjon, tu peux sauter par-dessus, au-dessus de tous les méchants pour aller à la fin, le coffre, voir si c'est des pièces d'or ou une paire de chaussettes, et puis te barrer avec un sourire aux lèvres en lâchant des fuck. Pas trop de marouflage, ouais. Je suis sûr qu'il y a moyen de maroufler. Le marouflage va se jouer dans le fait de pousser les mecs dans l'eau ou des trucs comme ça, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, je trouve que la pub, elle a quand même été timide hein, sur ce jeu. Hein. Puis il sort en face de FF7 quasiment. Enfin, c'est rude. Hein. En face de FF7 et Rise of the Ronin, qui sont tous les deux des exclus. Et je viens d'exploser mon chouchou. Non ! Waouh. Suffisez des dégâts, votre quantité de vie est réduite, une quantité maximale pouvant être récupérée est également. La jauge de perte peut être extraite qu'en se reposant dans une auberge ou en campant. Oh là là, putain, je me fais défoncer là, ça y est, je suis mort. Je suis magicien, est-ce que ça se voit pas, Little Poulet Big Cock? Est-ce que ça ne se voit pas que je suis magicien, vu que j'ai un bâton qui crache du feu? Merci Punisher Pa, waouh. Des fois, je vous donne le bénéfice du doute, mais... Est-ce que j'ai l'air d'autre chose qu'un magicien? We'd best be prepared to make our own light before we proceed. Understood. Par contre, je suis un petit peu... Stepmaster, goblins! We have no means of exploiting our enemy. Tu peux soin quand tu tombes à zéro, c'est-à-dire... Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements.
l'impression que Rose fasse trop le café, mais bon. Mais là, le gros, il s'est énervé. Dare I say it? We trounced our foe, well and true. No doubt, this triumph will spur us into the next. This is my first time clapping eyes on such an item. I expect my own master has yet. J'ai l'impression avec la première ligne avec 3 agos, 3 lézards, 5 loups, 2 gobelins avec leurs géants, les squelettes, du fantôme, j'ai acheté les campements. Tu fais très vite start potion. Ok. C'est du cheat quoi. Et j'avoue que là je peux pas camper dans cette dans ce truc et pourtant elle est profonde de fou. Hein. Ça n'a rien à foutre qu'on soit au début du jeu. Hein. Different combinations of materials result in different creations. You're well fond of picking things up, aren't you? Il fallait pas jouer avec. Est-ce qu'on va en bas? Est-ce qu'on va en haut? Pushing on without rest isn't ideal. I'm dead on my feet. We really ought to take a moment to catch our breath. Mais comment tu... Où est-ce que tu veux qu'on se repose? C'est pas un vrai feu, ça. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Tu parles duquel? Ah, il est là. Ah ah! On a trouvé un grand bâton. Putain, on a fait la moitié de la quête. Effectivement, là, je joue avec 30% de ma vie. Wow, 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 wow. Je voulais... Mais il est long à caster le sort de glace. Hein. Mais en plus, je crois que j'ai mon passif qui fait que ça, je charge plus vite. Hein. C'est vraiment que c'est de la merde, quoi. Attends, est-ce que j'avais pris... Est-ce qu'il a compté le coffre ou pas? C'est bon. C'est plutôt bien fait. Quoi. Par contre, c'est vrai que l'un des trucs, j'avais la même chose dans le. Waouh, je me chauffe. J'avais un peu le même problème dans le 1. C'est que, par contre, ça peut être décourageant parce que t'as l'impression des fois d'avoir passé 5 heures sur une quête secondaire. Et t'as galéré, et ton perso peut avoir été tué, et trucs comme ça, et en fait, tu te retrouves à te décourager de pas avancer, t'as l'impression de pas avancer dans le jeu, quoi. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Douse the flames before it is too late. Ah, il m'a mis Tromblon là. Il a pris un. Tiens. T'es où maintenant? Je pense que ça a écourté le combat. Hein. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que par contre, tu vois, il n'y a pas une castration du joueur. S'il se fait péter la gueule, c'est juste, tu peux tenter une stratégie et puis. Il y a toujours un petit guac, quoi. Le DLSS, mon cher GTO, c'est une...
technique d'upscale intelligente. Hein. Master, I'm not sure how much longer I can keep going without rest. Putain, Eve, vous ne faites que de vous plaindre, hein. C'est vraiment terrible. Hein. If we can spare one. Alors, ces petits collants du chasseur, là, à qui je vais les donner ? À mamie ? Oh non. À Groseille ? Pourquoi on peut pas les équiper ? Ah non, il n'y a pas un truc en mode genre... C'est que pendant les dans les près des failles ou je sais plus quoi. Sorcier sans faire R1, tu mets 30 secondes à speed à cast. Le speedcast est vital. Putain ouais la grotte il faut s'y commit hein. Mais tu vois, en fait, tous les... Par contre, le jeu... Oh, putain de merde. I don't suppose begging for a reprieve gets far with one of its lots. Le jeu, pour les gens qui s'installent, tous les modes les plus hardcore de Skyrim, en mode, genre, moi, j'ai... Je veux avoir faim, je veux avoir soif, je que quand je rentre dans une grotte, j'ai la frousse d'y crever, etc. Dragon's Dogma répond à toutes ces questions d'avance, quoi, par design. Shall we report our results? Ah, on a l'épée à deux mains, yes. Alors, je vais garder ce grand truc. Je vais donner ce machin à mamie. Groseille. Oh là là, putain, elle était sérieux. Dans les équipements, t'as le symbole de quelle classe peut les porter ? Mais attends, et là du coup, c'est écrit quoi ? Où est-ce que... Ah oui d'accord ok, c'est que rogue et archer, ok. Bah, elle est archère et elle peut pas le porter là. Truc de fou, tu peux laisser tes matériaux dans le coffre général et tu peux quand même améliorer tes armes sans erreur d'entendre dire, ça c'est bien ça. Je savais pas, tu vois. Les portes verrouillées, clés mécaniques, j'ai une question horaire, constaterait peut-être les portes s'ouvrent à certaines heures. J'ai beaucoup aimé la synergie du sorcier entre le speedcast et le spécial triangle, ok. Mais alors attends, est-ce qu'il y a une sortie près de la fin de cette quête ? Est-ce qu'il faut rentrer ? Parce que moi je m'attends pas à ce que le jeu me fasse de cadeaux en fait, même si j'ai plus de vie. This has no bearing on our current conversation, but might I say the pawns in this party are women all. And yet no two of us are the same. Mamie woke, quoi. On est vraiment trop des femmes. Ah, il fait nuit. J'ai pas de cristaux pour... Full glad I am to see the sky again. Such dark depths take their toll on the spirit. Tis as you say. En plus, une tente, moi j'en ai qu'un.
Moi, j'ai qu'une toile de tente. Hein. Unless I am mistaken, what we require is already in our possession. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat thrills to gathering items. Dégagé. Foutez-moi le camp. On va se faire exploser. La tente a une utilisation limitée, ah bon ? En tout cas, j'ai pas de campement sur la route. Come, I'll lead the way. Elle est sûre d'elle, en tout cas. C'est abusé parce que je me rends compte que je n'ai même pas pris le temps de... Enshrouded est incroyable et je n'y ai pas plus joué que ça. J'ai juste eu une pensée. Curious thing. One of my former masters chose to hire only women. I wonder why. I'll be sure to keep that in mind. J'en parlerai à mon cheval ce matin. Ah ouais, tu nous fais passer par là. Rose, ok. Enshrouded, tu peux attendre la fin de l'early pour Enshrouded. Ouais, mais le jeu est trop bien. Une Nightingale, c'est pareil. Hein. On attend des Nightingale comme des ouf pour avoir du post-Valheim à se mettre sous la dent. En fait, je me rends compte que ça se trouve, celui que vraiment où on va s'arrêter, c'est Valheim. C'est juste encore Valheim. Pray, follow me. Ah, mais de rien, est-ce que ça me sonne. Je suis si super content d'avoir fait la. Comment dire Enshrouded en OP. Hein. Oh putain, c'est quoi ça? C'est vraiment Berserk, au secours. Ouah, Frank Miller, toujours à l'heure. Non, 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 mais attendez. Ah, pour le coup, c'est vraiment Berserk, quoi. Aux prises avec un fantôme. Putain, ils sont affreux. Il est sur elle. Putain, on mouline en plus, quoi. Nous sommes des fantômes. Ouais, mais on va pas se balader à l'aveugle. On est loin là de la ville. Ouais, c'est bon, c'est à la sortie, on peut y aller. Attends, établir un camp là, c'est gratuit? Mais non, ça coûte une tente. Matériel de camp modeste. Ça coûte? Sauf que ça va me coûter 2000 balles. Ça coûte pas la tente, tu la gardes. Mais j'en avais deux tout à l'heure. Je suis sûr qu'à un moment j'en avais deux. Ah mais attends, je peux pas cuisiner? Pourquoi? Master, I've not more to say. Pressing me further shan't change that. I suppose I could go for a bit of Stargate. Est-ce que j'ai pas de bouffe? C'est un bon point. Et oui, on a Mamie Groseille avec nous. I trust we've all inspected our equipment. Ok, non, mais j'étais sûr d'en avoir consommé une sur deux. Ah, qu'est-ce que j'aime les lumières de ce jeu.
Mais bon, du coup, si... En fait... Ce qu'ils expliquaient, c'est que oui, genre, ce qui fait péter le framerate, c'est que la globale illumination du jeu, qui lui donne son cachet si particulier, est une illumination globale... Oh putain! Est une illumination globale ray tracing. Du coup, bon... Non, non, mais on va rien faire du tout. Ma voix est désynchro par rapport à ma cam. Vas-y, on recommence. Trop bizarre. Ce serait bien un coup de Capcom de t'intimider à 3 euros. Let us find the intended recipient. Mais comme quoi, moi aussi, je me suis fait matrixer par... mais qu'est-ce que j'aime la gueule du jeu, par contre. Et oui, du coup, bah, effectivement, ça a un coût, tout ça. Mais je trouve que ça tient ses promesses, hein, globalement. Voyage. Hein. Et c'est pas en mode Disneyland, et ça, ça fait plaisir. Allons au truc de guildes. Attends, les guildes, c'était le... Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the... You know where to find me. Attends, on a fait si peu de thunes. Oui, la guilde, c'est en dessous, putain. Good tidings, sir. How fares your retrieval of those plundered weapons? Oh-ho! You have... Most excellent. You may now change your vocation. However, if you wish to register as a warrior instead... Good tidings, sir. How fares your retrieval of those plundered weapons? Tout est tellement à l'ancienne, quoi. Marvelous. You have acquired both. You may now change your voc. What's more, I bear glad tidings. 'Twould seem our arms shortage. A result to be proud of. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Alors pour Mamie, on aimerait la foutre en champion. Le champion est plus à l'aise sur la ligne de front en battant ses adversaires à épée à deux mains et perçant les ennemis dans aucune retenue. Ses attaques forment un arc dévastateur, mais ses mouvements sont lents malgré une grande robustesse qu'il peut supporter un assaut sans ennemis sans un petit coup de main. Coup chargé, maintenez carré avant de porter une attaque pour concentrer. En fait, c'est terrible, mais si on doit à ce point-là créer deux persos, ça donne envie à la FF de switcher en fait. Parce que c'est vrai que c'est la grosse frustration de Dragon's Dogma, c'est de se dire « Et si j'étais en train de passer à côté de la classe de ma vie ?» Bousculade avec R1. Attaque supplémentaire, lorsqu'il y a un coup avec triangle, mentionné avec un coup puissant. Si la cible est à terre ou déséquilibrée. Sûr, mais ça a l'air incroyable. Gardez Mami Nova est maintenant comme ça et on dirait un orc. En vrai, j'aimerais pouvoir le cacher le casque parce que ça me plaît pas trop quoi ce qu'elle a. On va l'équiper pour le swag, hein, mais... Un corps de puissant sort en grand bâton, même les amis les plus forts. On part en sorcier. Le sorcier brandit son grand bâton pour initier une kyrielle de puissant sort. Ses assauts magiques peuvent changer le cours d'une bataille, infligeant des dégâts d'une vaste zone, des effets négatifs à plusieurs ennemis. Un canté et un sort est toutefois long, et de se faire en lieu sûr qu'un sorcier est vulnérable pendant ce laps de temps.
Maintenez triangle pour galvaniser et récupérer rapidement de l'endurance. Lancer de puissants sorts est épuisant, consomme une grande quantité d'endurance. Donc gardez un œil sur celle-ci, utilisez galvaniser si besoin et pourquoi votre magie est souhaitée. Les sorts doivent être incantés avant d'être lancés en plus. Et plus puissant et ou complexe est la magie, plus long sera le temps nécessaire. Comme celle-ci vous rend vulnérable, guettez la meilleure opportunité. Vous pouvez vous déplacer pendant que vous incantez, mais cela rallonge le temps de préparation du sort. Changez de cible. Certains sorts permettent du lanceur de choisir la cible du sort. Pendant votre incantation, vous pouvez sélectionner la cible à l'économie et les faire les filer avec R. Les incantations assistées doivent être incantées avant d'être lancées, ce qui prend du temps. Toutefois, si vous approchez d'un lit en pleine incantation et que vous commencez à entonner le même sort, vous pourrez aider à le lancer plus rapidement. C'est ce que l'appel incantation assistée permet de lancer le plus rapidement le plus en sort. Oui, mais il faut que mon. Faut jouer double sorcier, quoi. Enfin. Ah ouais, c'est moins bien. Ah non, par contre, il m'a laissé mon slip. Et mon châle. Ok. Mage de rang 4. Ah mais du coup, c'est pas du tout les mêmes choses. J'ai genre catalyse, constance... Ah mais non, c'est pas la même chose. Okay. Non, pardon. Là, j'ai compétence d'armes. Voilà, donc du coup, là, j'ai conflagration. Ah mais non, c'est les mêmes. Ah oui, sauf que maintenant, voilà, il y a salamandre. Salamandre. Je garde ton bélier électrique. Par contre, là, j'ai salamander. Regardez ce que ça fait. Qui rampe au sol vers l'avant. Elle demeure quelques temps. Inflige des dégâts continus sur la cible qu'elle touche. Ok, donc c'est... colonne de feu, quoi. Une orbe de foudre frappant les adversaires qui s'approchent avec des éclairs. Renverse les petites cibles. C'est magnifique. En soi, j'utilise pas conflagration. Attends, attends. Parce que je sens que je vais me faire baiser si je regarde pas. Protection explosive. On magasine de la magie avant de la libérer en une puissante décharge qui explose quelques temps après l'impact. L'effet est basé sur l'enchantement actif. Ça, je pense qu'il le faut en fait. J'aime bien le fait qu'il y ait banquise. Et je vais acheter Salamander et je vais le mettre là. Pour ce qui est de Mamie, qu'est-ce qu'elle peut faire de plus ou de moins? Elle est championne. Rugissement. Cri pour attirer l'attention des ennemis proches. Ouais, ouais, ouais. Le coup de bûcheron. Ah oui, oui. Inarrêtable, réduit les dégâts subis pendant l'attaque chargée. Bah oui. Genre style. Always a pleasure. Welcome. Ah, je suis tout nu sous ma robe de chambre. Voilà qui est magnifique. Mamie Nova est enfin passée en mode berserk. C'est bon, qu'est-ce qu'il y a, Mamie Groseille? Attends, mais elle est folle ou quoi? Elle bourre les gens. Tu vas où? On n'est pas bien, là. On n'a pas joué à Fable. T'as les Timothée Chalamet, il casse les couilles. C'est uncommon for a lad of his age to be unable to shop on his own. Ought I go and look for her? Oh, my apologies, sir. His concern for my granddaughter said she'd go to sp- Did she even bring the gold for it? I'm of half a mind to go. But you didn't come here to have an old man prattle your ears off. I've got to make room for my next shipment. I've got to make room for my next shipment. Bon, du bon marchand, il semble que l'on puisse ranger quelque chose de petit à l'intérieur. Oh, c'est un truc pour les fées, ça, une connerie comme ça. Do come again.
Do my eyes espy an ox cart, faithful companion to weary travelers? En fait, je trouve pas que la ville soit vide, je trouve juste que c'est dimanche, quoi. What did you think of that? 'Twas well told and all, but not particularly exciting, eh? I'd heard tell of a beggar doing well for himself, and by the look of it, he doesn't appear to be making much for. Over here, if you please. Aye, got some much appreciated. Je crois que ce mec-là, il t'arnaquera toute sa vie. Je crois qu'il y a une connerie dans le genre. Let's have a look then. Welcome to Bjork. Quality is what you need if you want to survive. Maminova, casque de fer. Elle a un casque de gladiateur. Les autres casques sont moins bien. Ah ouais, d'accord, ok. Oh là là, mais ça, ce casque de rogue, il est trop beau. Donc je pourrais avoir un chapeau de sorcier de merde. Ouais, chapeau. Ombre invisible. Un chapeau en plume, j'ai pas le droit. Beaucoup de choses, j'ai pas le droit, là. Ah, ça, c'est pas mal. Défense magique, capuche de moine. Armure tribale. Mais il y a tellement de choses que j'ai pas le droit maintenant. Ah, oh là là, celle tellement sassy, ce truc. Et les bottes de cuir suédées. Oh là là, non mais... En fait, c'est que je suis à peu près obligé de jouer avec ça, quoi. Regardez cette queen. Merci, Pom-Pom, 4 ans! Parce que putain, mamie, elle a, je trouve qu'elle a aucun truc bien, quoi. Par contre, elle peut peut-être avoir une armure. L'armure tribale, c'est celle qu'elle a, ok. L'armure de plate, c'est de la merde. Plate de guerre. Voilà, et ça, c'est une armure de mamie, quoi. Ah, mais 12 000 balles, quoi. Oh, franchement, ils sont pas sport, les gars. Price, just remember. My... Donc, par exemple, si je voudrais améliorer ça, je peux améliorer mon gros bâton. Une fois. Deux fois. Ah, je peux pas l'améliorer trois fois. Par contre, ma robe là que je viens d'acheter, je peux l'améliorer une fois. Deux fois. Ah non, faut de la bave verdâtre. Mon string, je peux l'améliorer. Mais c'est bon à savoir, ça. Ah, je peux améliorer l'épée de mamie. Avec du minerai d'argent. Trois fois. Ah non, fond insuffisant. Putain, j'ai plus de thunes. Oh là là. Let's die early day. Ah, je voulais qu'elle porte ça, ouais. Mais en fait, je m'en fous. Vends-le. T'es un pion de merde. Bon, je t'ai mort, quoi. À 4000, ah oui. Oh, il y a des trucs, dis donc, mémé. C'est pas de la merde. Ça, elle peut plus le porter. J'ai un petit doute quand même de pas avoir fait une connerie. Voilà, et là son arme elle est max. Many thanks. I appreciate the... Non, c'est bon, je ne suis pas à poil. Tout va bien. It's this way. Voilà, et là je sais que c'est magnifique.
Allons nous acheter des lunettes si c'est possible. Putain, mais cette queen, oh là là! Would you mind coming over here? Je trouve ça tellement pourri que tu te balades pas vraiment en 3D dans le truc, quoi. Je trouve qu'ils ont vraiment foiré quelque chose là-dedans. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, par contre, oui, hein, c'est vraiment, on dirait vraiment Dragon's Dogma. Enfin, c'est vraiment Dragon's Dogma, quoi. C'est pas autre chose, en fait. Et on pourrait dire, genre, mais attends, mais ce Dragon's Dogma, il aurait pu sortir en 2020. Enfin, il y a 4 ans, on était chaud hein, pour le même. Hein. Alors, attends, je voulais aller dans le truc, voir pour m'acheter des lunettes. Oh ma chérie, on va pour. Qu'est-ce que tu penses? Merci à tous, bienvenue sur le du stream de Lady Phantom Hive. Regardez un petit peu l'évolution de mon personnage. Regardez cette queen, la cuisse à l'air, la cuisse légère. Regardez ça. Oh salut Elvino. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désormais sorcier de mon état. Je slay toute ma vie. Et en plus je vole. Hein. Rien à foutre. On a quand même vécu beaucoup de choses. Hein. Et Mami Nova est passée berserkeuse avec épée à deux mains. Mais je déteste son casque. Il faudrait qu'on lui achète vraiment un meilleur casque. Mais c'est compliqué. On va aller voir le lunetier pour voir si on peut enfin s'acheter des lunettes. Mais attends, mais combien? Mais attends, mais les C, on les récupère comment? Parce que j'en ai zéro. Many thanks. C'est frustrant. Les C, c'est pour les pions, c'est long à grind. Et oui, on joue avec Groza et le puant du JDG, bien sûr. Alors, j'avoue que je suis pas très fan des icônes. Je trouve que ce serait bien qu'ils aient des couleurs. Parce que là, je sais plus ce qu'on fait comme quête. Suivez les mendiants au fil des jours. Il semble qu'une dispute ait éclaté entre un marchand et son client. On devrait peut-être tenter de savoir ce qu'il se passe. Rencontrer le capitaine Brandt de nuit au petit répit. Retournez aller voir Flora et donnez-lui le fortifiant de fruits qu'elle vous a demandé. Ah oui. Mais attends, mais ça, c'est hyper loin. C'est genre, c'est hyper loin. N'oublie pas d'attribuer une mission à ton pion avant de leave. I've not much to say at the moment. Methinks we've earned a brief repose. Regardez ce qu'il y a comme casque pour elle. C'est au pire magico-magique. Ah mais je connais, j'ai pas saisi cette utilité de ce truc.
Bah, en fait, alors moi j'aime bien ce casque, mais en fait moi j'aime bien quand mamie n'a pas de casque tout court. Pareil pour l'armure en fait. L'armure tribale, je trouve qu'elle pue la merde. Et ça, c'est 12 000. C'est un truc de base, quoi. La grenouillère des patrouilleurs. Ça sague, yo, ça sague. On peut la mettre en violet. Oh, mais oui, bien sûr. So before you check the price, just remember, many thanks. I appreciate the business. Voilà, Mamie Nova, ça lui va très bien, ça. On est dans des classes avancées. Donc, vous disiez, il faut attendre la nuit à quel endroit ? Parce que là, je vais pas aller ici. À moins de... Je crois en plus, c'est après ce premier rendez-vous que le mec te donne une archipierre ou je sais plus quoi. Par exemple, j'ai dit à mon pion de foutre sur la gueule une chimère. Et si le joueur qui l'utilise bat une chimère, il gagne 10 KPO que j'ai mis en récompense. Ok. Mais en fait, ça par contre, c'est typiquement Dragon's Dogma aussi, ce sentiment d'être un peu débordé. Parce que du coup là il y a une quête secondaire à Pétaouchnok, une quête principale où faut attendre, t'as peur de tout... Salut Andy. Donc c'est quoi, mission de pion ? Attends, là du coup on est sur quelle carte ? Putain, ah ! Petit répit. Petite monotonie. C'est cette auberge là ? Ah ouais, c'est là. Welcome to this. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup to... Passer le temps à l'auberge. Come back anytime. Welcome to this. We serve all manner of fine ales here. Come back anytime. Bonjour. What are you doing? Your Majesty. Your timing is impeccable. Votre timing est impeccable. Vous avez passé 3 jours au bar. Le jeu a une ambiance, hein. On peut pas dire. Tis not a matter for prying ears. You will want to hear this.
'Tis not a matter for prying ears. As I informed you when last we spoke, the palace is filled with the Queen Regent's sycophants. Should Deesa denounce your majesty as a false arisen, few would elect to doubt her. Yet if we are to prove your identity, I believe there is no occasion more suitable than the coronation. It was delayed so that the sovereign, that is, the false arisen, could convalesce in the palace, but the date has now been set. The central players in the court ought all be in attendance. It would be a fine op- None would be able to deny that you are the true only select members of the nobility and citizens who have contributed greatly to Vermont's continued prosperity will be granted entry. Le rendu est ouf, franchement, je me régale. You will need to attend to a number of tasks. Pray, allow me to summarize them for you. The citizenry have called upon my soldiers to cull monsters that plague the land. I dare say, 'twould be a fine contribution were you to accomplish these tasks unaided. What say you? Might I ask for your cooperation? I thank you, Your Majesty. There are three locales that have seen significant trouble of late. The first is Trevo Mine, to the northwest. Et la mine de Trevo, je suis sûr que c'est là où on a fait le ménage. Next is Half Village, west of Burnworth. I believe soldiers have already been dispatched. Finally, there is a call for someone to locate a group of soldiers tasked with delivering freight. There is no shortage of beasts that need culling in this world. There is much we ought to tend to. You will need to infiltrate the palace to gather evidence of Deesa's misdeeds. I hesitate to ask something so dangerous. I have attempted to do the same through my own channels before now. Would that I could undertake the task. What say you, Your Majesty? I shall. C'est fou, hein, c'est d'une simplicité presque insolente. Le questing, la façon dont tout fonctionne, mais en fait, comme le jeu ne fait aucun cadeau, ça devient hardcore, quoi. Follow me, if you would. Alors que c'est basique, hein. Mais c'était un peu le plaisir de Demon's Souls aussi en son temps, quoi. C'est genre, ah ben, ok, c'est des donjons, tu lock, t'esquives, façon Zelda 64, qu'est-ce qu'il y a de si incroyable? C'est que t'es tendu, c'est que t'as des... Il faut jouer au jeu. Who I have no doubt will lend his support to Your Majesty's cause. I refer to Waldar. Many a time as Deesa demanded war, and many a time as the magistrate refused her. For is our laws dictate that you're thus, as the staunchest supporter of the law, what say you? Might you be, I prepared a means for you to enter the, this mission demands the utmost secrecy. Should you be discovered? J'aurais peut-être dû prendre les missions au compte-gouttes. C'est joli, j'ai qu'une pierre de réveil. Hein. Bon, le jeu fout une pression alors que mourir est pas grave, quoi. Attends, mais quand est-ce qu'on s'est reposé? On a payé les 2000 balles pour dormir? J'ai pas de souvenir de ça. Alors, magistrat séquestré, trouver de pourquoi... Mais les monstres, bah oui.
Le monstre. Mais c'est hyper loin tout ça. Utiliser la clé que le capitaine Brown nous a remis afin de lui rendre visite. Pawns are forbidden from entering the castle grounds, but we may accompany you to the entrance. Je sais pas si la map est plus grande que le 1. Le 1 en foutait une pression d'enfer. Casse la gueule. Eh, merde! C'est toi, en l'ardoise, j'aurais beaucoup trop. There's a ladder here. Oh, excellent find. Bah si, les bas quartiers c'est quand même un peu fait comme dans celui d'avant. Mais attends, mais la tour elle est en face du coup. Moi je suis là. Ah oui d'accord, mais ça n'a rien à voir. Bah. Ne te casse pas la gueule, ne te casse pas la gueule, ne te casse pas la gueule, ne te casse pas la gueule. Merde! Merde, 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 merde! That's quite enough. Et j'aime ces petites ruelles, ces petits trucs. Le fait que tout soit à échelle humaine, c'est. Ça fait rêver quand même. Les morgues et maisons funéraires. Si un civil décède, son corps sera amené dans une chambre mortuaire quelques jours après sa mort. Suivant l'endroit où sa découverte, les pouilles seront envoyées soit à la morgue, soit de Batal, soit à la maison funéraire de Vermoon. Vous pouvez réanimer un mort à l'aide d'une pierre de réveil aussi longtemps que vous aurez accès au corps. Pourquoi vous me dites ça? Parce que là, j'arrive dans une chambre funéraire. Mais c'est pas du tout là où je voulais être. Oh, 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 oh. C'est un harangue. J'ai l'impression que c'est pas du tout par là qu'on avance. Peut-être que si, en fait. Certains lieux vous sont entièrement interdits. Merci, Kizuk. Merci beaucoup de faire monter le sabaton et le sub. Merci beaucoup d'être là. Il s'en passe des choses. Certains lieux vous sont entièrement interdits, d'autres autorisés seulement à certains moments de la journée. Par exemple, si les gars vous attrapent au palais durant la nuit, ils vous capturons ou jetteront dans les jours pour pénétrer dans son habitation. Ils existent. C'est strictement interdit aux pions. Ces balles masquées vont régulièrement lieu dans la salle de bal du château de Vernos et pourraient être l'occasion pour vous de rencontrer les personnes à bord. Toutefois, les balles masquées sont très protocolaires. Il faudrait être habillé pour l'occasion. Do you know how long you'll be? I only ask so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. It is not our place to hurry the arisen. Bonjour.
Le mec en a rien à foutre. Daron. Merci, Tchelion. Ah non, mais c'est... c'est très bizarre ce qui se passe dans cette geôle fasciste. Hein. Have you come to release me from this jail? Who are you? Oho, the ruler, you say. I must applaud the audacity, though the possibility certainly stands. C'était vraiment ça, la quête d'infiltration? Ah, they say the Arisen's breast bears by that mark, Tutsi. This reminds me of a happening 148 years ago. During the reign of Regent Alphonse, a man named Crusoe appeared and claimed to be arisen. He went before the people, insisting that he and not Regent Alphonse. Le système de jeu de réputation est en mode genre, oh, bon, t'inquiète. T'es rentré par la colline, tout va bien. Regarde-le-moi, Jack, ils ont trouvé. Le mec est stone. Crusoe was discovered to be a... Aye. I dare say your arrival portends another beheading, but escape? But why? Here, I spend my days perusing the code and deciphering old texts. I can devote all my time... Oh là là, le mec en mode, bah, non mais c'est génial la prison, genre je suis payé pour... genre les gardes, regardez les gardes! Je vais venir des putes, hein. And I need not turn my ear to Deesa's absurd demands. It's a paradise to me, this cell. Ah putain, à côté les TikTok dans les prisons françaises, c'est Disneyland, c'est c'est de la gnognotte. That said, if you know of a place with a mountain of tomes I could delve into, tell me, does that ring? I suspected as much. There. A place to quench one's thirst for knowledge, eh? I'll admit it is an intriguing prospect. Attends, mais le mec donne son avis? But the slums hide many secrets. Mayhap we ought to investigate for ourselves. Bon, vous avez saoulé les mecs, hein. At last, it all becomes clear. Et là, il me tape? Mais ça n'a aucun sens. It is good to be reunited. Let my magic imbue your weapons with the fury of the elements. Why me? T'es sans monde dans les bas quartiers, il y aura peut-être moins de gardes, mais. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as le droit de rentrer, mais pas de ressortir. As you wish, I shall return directly. Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for arm? Many thanks. May fortunes. Tout le monde me parle comme de la Risen, hein. Comme je vous disais, c'est plus la risée, quoi. Désolé, Lubomir. C'était très très chelou ce qui s'est passé. Ingredients are plentiful hereabouts. C'est vrai qu'il y a plein d'ingrédients. On est chez quelqu'un, mamie. Et là, je peux pas faire à bouffer ici, c'est dommage.
crois que c'est parce que j'ai sorti mon bâton. Oh, trop bizarre. Oh, la pire auberge. Ah! Well met. This, I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Many thanks. Merci beaucoup, hein. Vous avez glandé là toute la journée, mais putain, ça donne envie d'aller. A common reward, frustratingly so. We'll find a use for it, I'm sure. Attendez, maintenant du coup la mission là, magistrat séquestré. Si vous lui trouvez un refuge, à même d'étancher sa soif. Ok. Allons tuer des monstres. Ça c'est vraiment très la mine de Trévaux. Battre les gobelins de la mine de Trévaux. On y était il y a pas longtemps, donc c'est un peu chiant. It would be most efficient to make for our nearest destination first. The soldiers delivering freight were last espied near Vermin's eastern edge. That's not far from here. Well, if you insist. I'm only glad I don't have to lead the way for a change. Par contre, c'est d'une telle... Enfin, je trouve ça tellement bien construit, quoi. On dirait que ça n'a pas été construit pour le joueur, mais pour le monde des, enfin pour les PNJ quoi. Et ça c'est incroyable. J'adore quand les jeux font ça quoi. Et on rentre chez les gens, ça n'a plus de sens. An ox cart ought to make our journey easier. One hopes these. Ça c'est le plus proche, on est d'accord. Et ça, je sais même pas comment y aller, quoi. Carts offer comfort commensurate to their cost. Non, on va y aller à pattes, hein. C'est l'aventure, hein. C'est ça qu'on veut, hein. Les quartiers, les paysans. Non, ça le fait grave, hein. Ça va me caresser les cuisses là, c'est truc de blé. Le chariot va jusqu'au... Ah bah par contre c'est vrai que le chariot on pourrait le prendre pour aller finir la quête avec la petite fille quoi. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, c'est beau. Vous savez ce que ça me rappelle, ça, ça donnerait, ça vous donne pas un petit goût de Two Worlds Remastered là? On serait pas bien? Est-ce qu'on serait pas bien avec un Two Worlds Remastered? On oublie qu'en fait, le succès de The Witcher 3 vient aussi de l'échec de Two Worlds. Mais une grosse partie de la team Two Worlds était sur The Witcher 3. Thank you.
I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound. On veut pas de toi. Oh, les petits lapins, ils sont beaux. C'est marrant que c'est un monde où genre l'eau est trop néfaste, donc en fait t'es sur une île donc ça fout la pression, mais ça fait vraiment mauvaise excuse quand même. C'est dur d'y croire quoi, le Kraken. On peut voir ça comme de la fraude. Et par contre ça j'y crois beaucoup plus que les trois champs de patates qu'il y avait dans FF16 quoi. Might you consider lightening your pack, Master? If you've anything edible, I'll gladly lessen your burden. I'd wager there's ought to be found here. Let us ponder how best to proceed. C'est chiant de se dire que là, c'est pas forcément un bon plan de... J'en ai mis groseille, là, se fait bouffer. Mamie? Est-ce qu'il y a un kraken dans les baignoires? Non mais attends, mais là du coup je fais quoi? Materials such as this can be combined to craft things. Ils sont rapides. Hein. Fire is not its weakness, but its strength. C'est un dragon qui passe, c'est un griffon. Je suis sorcier. Zappa de presser R1 quand tu casses. T'es sûr que ça c'est pas un truc que je développe plus tard, Albert Kane? Parce qu'ils m'ont rien dit quoi. Il faut, tu bourres les reins quand tu casses le sort. Shall I lead you to the location nearest here, Arisen? Non mais mamie, oh là là, mais elle est morte. The soldiers delivering freight were last espied near Vermin's eastern edge. That's not far from here. Donc attends, là tu fais genre tempête électrique. Mais pourquoi ne pas? Donc en fait, rester appuyé fonctionne aussi, mais pourquoi ne pas l'avoir par défaut en fait?
Attends, mais du coup, en fait, on va bourrer 6 fois plus. Mais ça bouffe plus de stam. Ouais, mais du coup, après, tu peux galvaniser. Ok. Attends, mais là, on a fait une grosse connerie, quoi. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Parce qu'on est parti et mamie s'est fait bouffer par le kraken, genre dès qu'on est sorti de la ville. Hang in there, master. I am coming to assist. Very useful ingredient. Ça va être très chiant. Mais surtout que mamie avait des trucs sur elle. Comment je peux reload ce pataquès? Mon perso est trop lourd, putain. Tu es un mage, arrête! You gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Il faut réinvoquer ma migroseille, putain, qu'est-ce que j'ai chaud, les gars. Tu vois, quand c'est comme ça, oui, ça donne envie de se téléporter à la ville. Et j'ai pas la pierre pour y aller, quoi. Oh, bah, lui aussi, il est géant, quoi. It couldn't hurt to take a peek. Just recall the little tidbit I heard from the locals. If you refer to changes in the military's makeup, I've heard the same. Indeed. Tell us, there's been a shift in the chain of command. Elle est tellement dégingandée, cette mamie. This is... We'll make our way there in time. As to whether it will be sooner or later, that is for the Arisen to decide. Perdu mes groseilles en une frame.